Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer, programmer une télécommande universelle comme celle-là pour contrôler votre télé et d'autres appareils comme DVD, Blu-ray, un récepteur, etc. Ma télé est allumée. Donc comme vous voyez la télécommande, il n'y a rien qui bouge. Comme vous voyez, ça s'allume, mais il n'y a rien qui se fait. Comme vous voyez sur la télécommande, il y a TV, il y a satellite, câble, etc. Il y a DVD, Blu-ray, VCR. Donc, ça dépend de l'appareil que vous voulez configurer. Aujourd'hui, je configure la télé, donc c'est le bouton TV. Si vous voulez configurer d'autres appareils, donc vous pouvez essayer avec les deux autres. Je vais programmer cette télécommande pour contrôler ma télé. Je vais laisser mon doigt sur TV. On va utiliser deux doigts. Le premier doigt sur TV. Et le deuxième sur le bouton pour allumer et éteindre. Donc la lumière va disparaître et va réapparaître. Une fois la lumière réapparaît, je lève les deux doigts. Donc je commence toujours avec la télé, l'appareil, et après le bouton pour allumer la télé. Une fois la lumière est allumée, je vais aller cliquer sur Play, juste ici. Je clique. Donc, il faut cliquer jusqu'à ce que votre télé soit programmée. Une fois votre télé est éteinte, il faut s'arrêter. Donc, je vais cliquer une fois. Voilà, ma télé est déjà éteinte. Donc, j'ai fait un seul coup et c'est éteint. Donc, elle est programmée. On n'a pas encore fini. On va revenir avec le bouton pour revenir en arrière. Reverse. Je clique dessus. J'attends 5 secondes et je clique encore. Voilà, je vois que la lumière apparaît maintenant pour la télé. Ma télé est allumée, comme vous voyez. Donc, pour sauvegarder la programmation de votre télécommande, on va appuyer sur le bouton Stop ici pour sauvegarder la programmation. Je clique. Stop. Voilà, c'est sauvegardé. Je vais voir si ça marche. Voilà, donc ça marche. Voilà. Donc je peux. Voilà, donc je peux chercher maintenant. Ça marche, il est programmé. Donc vous n'êtes pas obligé d'entrer un code manuellement. Donc voilà. La télécommande est programmée. Et j'ai même accès au menu. Voilà. Pour régler l'image et tout. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions, des commentaires. Passez une bonne journée. Au revoir.